end, and I'll tell you this tale of three desperate women adrift on the trail of three desperate women whose futures now lie in the hands of two jailers, both wicked and sly. Bien, les filles. Est-ce qu'on aura bientôt droit à un peu d'eau? Il reste encore 3 jours pour aller à Tucson. 3 jours torrides. Ça ne répond pas à ma question. Faut y réfléchir. On dirait que M. Robertson veut qu'on soit gentil avec lui. Je préfère crever. Faut que l'une de nous se dévoue, ou bien c'est nous qui allons crever. On n'est pas à l'église ici. Il y en a bien une de nous qui va faire un petit effort, non? À mon avis, s'il y en a une qui peut répondre, c'est bien toi, Selena. Je suis peut-être la plus qualifiée, mais après toi. Pas de volontaires, les filles? J'ai promis à mon père de ne jamais fricoter avec des hommes dans ton genre. Mm-hmm. Ah, l'eau est empoisonnée! Empoisonnée! Donnez-nous les clés! Eh ben, on a gagné le rouleau. Au secours! Lana, Selena, regardez. Regardez là-bas, vous voyez? Il y a des cavaliers. Ne les regardez pas. Ils vont peut-être en repartir. Les Apaches, vous ne pouvez pas le remarquer. Hi, hey, Toda. Jahani Heshpa, Bosin Inta. Yo, Eka, Shoshin. Tot, Eda, Yo, Ekat, Lost. Hey! Attendez une minute! Vous ne pouvez pas nous laisser là-dedans! Esther, ce sont des Apaches! Qu'est-ce que ça peut faire? C'est notre seule chance de sortir de là! Hé! Hey, revenez! Oh! Ne partez pas! Libérez-nous! Revenez! Distance, riding with the wind, telling where he came from or who he might have been. But beggars can't be choosers when they're in trouble deep. They'll take what he offers and thank him a heap.
pas bien choisi votre moment pour traverser le désert. On n'a pas tellement eu le choix, vous savez, monsieur. Nous avons été enlevés. Ce ne sont pas vraiment des gardiens. Ils font partie de la bande de Black Jack, vous comprenez? Ils nous ont arrachés à nos familles, à nos foyers, nos paroisses. Ils nous ont emmenés dans ce désert pour demander une rançon. Je n'ose pas vous décrire les monstruosités qu'ils n'ont pas hésité à nous faire subir. Je peux les décrire, moi. Inutile de vous fatiguer. Vous avez droit à un gobelet pour vous trois. Servez-vous. Bon, vous, vous les surveillez. Vous avez vraiment confiance en moi? Pas vous trois ensemble. Esther Waiters, escroquerie et folle. Condamnation 5 ans. John Adrek. Tentative de meurtre. Condamnation 3 ans. Selena Watson. Vol. Attaque à main armée. Condamnation 20 ans. C'était de la légitime défense. J'ai l'impression d'être tombé sur un nid de folle. Vous nous ouvrez cette porte et vous nous laissez sortir d'ici. Et pourquoi je ferais ça? Parce que sinon je vous fais exploser votre pauvre petite cervelle. Et après? Je vous préviens. Selena, ou tu lui rends son arme ou tu la bats. Quoi? Réfléchis un peu. Vous avez fini de jouer? Tu n'es toujours pas fichu de te rouler une cigarette. Je crois bien que j'y arriverai jamais. T'as dû renverser un maximum de tabac à travers tout le pays au cours des 6 derniers mois. Je crois que si le tabac pouvait pousser partout, j'en ai renversé. Spleen ne serait plus qu'un champ de feuilles de tabac à perte de vue. Alors les filles, évitez de vous mettre au soleil. On dit que c'est très mauvais pour la peau. Et que ça donne plein de goût. Oh, mais une minute, tu vas pas partir comme ça en nous laissant dans le désert. Je peux pas. Mais non, tu ne peux pas. Écoutez, je crois que je vous ai ouvert votre cage, que je vous ai donné un peu de mon eau. Mais je n'ai pas à vous tenir par la main. Et vous n'avez pas non plus à nous laisser mourir ici. Je vais vous laisser ici. Que vous mouriez ou pas, ça ne dépend que de vous. Je sais que rien ne vous y oblige, mais il faut nous aider. J'ai des choses à faire. Monsieur, je vous en prie. S'il vous plaît. Pleurez pas comme ça. C'est conduire un attelage? Oui, moi je peux. Très bien.
Vous allez me suivre. Mais avant, on a des morts à enterrer. Save from disaster and back on the road. Beholding to the strangers sharing their load. Three desperate women and now at their side. One kind-hearted stranger along for the ride. But travelers on the trail must prepare for the worst. Bad luck or trouble, whichever comes first. Surviving ain't easy in the wild, rugged west. They shoot from the hip and they hope for the best. Essayez d'avoir l'air naturel, Seymour. Je croyais que je l'avais. Continuez de regarder droit devant. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tout bêtement que quelqu'un nous suit. Regardez droit devant vous. Je vous ai dit de regarder droit devant vous. Enfin, je ne vois personne. Lui, il nous voit, mais il ne veut pas être repéré. Il faut que vous continuiez tout droit jusqu'à cette colline, je vous rattraperai. Ne prenez pas de risque. Told him danger was not far behind. Earlier the tracks of a polecat he had seen. A two-legged polecat, vicious and mean. Hiding in the shadows, sneaking around the bend. A nameless bad person was threatening a friend. There's something about a varmint that keeps most folks away. He's mean and he's evil, that's how he earns his pay. He's good at alibiing and he's slippery to the touch. And even his mother does not like him much. Sa gourde. Oui, aussi. Tirez pas. Donnez-moi une bonne raison. Vous n'allez pas tirer sur un homme désarmé.
Pourquoi pas? Non, non, ayez pitié. Je vous en prie, j'ai une femme et j'ai un enfant. Vous avez un nom aussi? Oui, Jeredia Parkinson. Jeredia Parkinson, commencez à marcher, ne vous retournez pas. Il vient de me dire qu'il s'appelle Jeredia Parkinson. Fouillez-le. L'une de vous reconnaît cet homme? Non. Il a une tête qui serait bien sur une affiche. Oh, je ne trouve pas, non. Non, les seules personnes qui aimeraient me voir, c'est ma femme et mon petit enfant. Ils m'attendent à la maison, les pauvres. Pourquoi vous nous suiviez? Je ne vous suivais pas. Non, je... En fait, j'allais dans la même direction. Vous mentez. Et non, monsieur. La Bible nous dit bien que le mensonge est un péché. La Bible dit aussi que tuer un homme est un péché. Ah non, non, je ne savais pas que c'était vous. Non, je croyais qu'il y avait des Indiens et qu'ils allaient me piéger. Et depuis quand les Indiens portent des chapeaux à 20 dollars? Oui, c'est vrai, je suis vraiment désolé, je pourrais vous rembourser. Vous pourriez? Rembourser. Allez, va-t'en. Mon arme et mes gourdes. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'en ai besoin pour survivre. Nous aussi. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau pour mon cheval? C'est Léna. Donne de l'eau pour son cheval. C'est Léna a reconnu cet homme. Oui, je sais. Mais moi aussi. Elle s'arrête. Il est dans la bande de Blackjack Fetcham. Blackjack Fetcham? C'était l'amant de Selena. Il veut peut-être la récupérer. Non, c'est moi qu'il veut retrouver. Faut que je sorte de ce désert avant qu'il me tombe dessus. Et pourquoi il voudrait vous retrouver? À première vue, ça devrait plutôt être le contraire. Il pense que j'ai pris quelque chose qui lui appartenait. Quoi, de l'argent? 2 ans de sa liberté. Il a dit que j'avais fabriqué une accusation pour le faire coffrer. Et oui, bien sûr. Ils disent tous ça, n'est-ce pas? Ouais, mais dans ce cas, c'était vrai. Ah, bravo, ça c'est génial. Il est probablement derrière nous et il est prêt à fondre sur nous au moment propice. Non. Il est devant nous, là, quelque part. Un type qui n'a pas d'armes et pas d'eau. Il va filer tout droit vers ses amis. Ses amis? Un type comme lui n'a pas d'amis. Il a des complices. Où est Jack? Il est avec les autres, il attend Wayne Gomez. Dis-lui que... Qu'il vienne vite me libérer. Vous pouvez compter sur moi, mademoiselle Selena. Je vais lui dire que je vous ai retrouvé. Avec cette bande dans les parages, je me sens plus en sécurité dans ce chariot. Pourriez nous dire où nous allons? De l'autre côté du mont Growler, il y a un camp mineur. Il est dirigé par un dénommé Skurlock Jonas. Ils sont en sécurité le temps qu'ils sachent quoi faire de vous. Qu'est-ce que tu fais, Esther? Je vais tout simplement prendre un bain. Oh, tu peux pas faire ça avec notre eau. C'est son eau, je vous signale. Mais elle la gaspille. C'est une question de point de vue. Je trouve que se laver, c'est gaspiller de l'eau. Mais c'était pas la peine de nous le dire, Selena. C'est évident.
Esther, il me faut une arme. C'est vrai. Moi, il me faut une robe bien décolletée et une paire de chaussures. Jack Vetcham va venir me tirer de là, et si tu veux bien nous aider, on t'emmènera avec nous. Il a mis l'arme de Tulsa dans sa sacoche. Ça m'intéresse pas une seconde. Esther, on est dans le coup toutes les trois. Il faut se dépanner entre nous. On n'a pas le droit de t'oublier. Tu m'excuseras, mais j'oublie pas non plus ce qu'Howard a fait pour nous. Ça va, vous pouvez venir. Comment t'appelles ça? Le dîner. Alors ça manque de quelque chose. Et comme ça, ça va? Ça l'améliore drôlement. Mais j'ai pas faim à ce point-là. Oh. Vous voulez essayer de vous calmer, de manger tranquillement? Il y a du sable là-dedans. Alors ne mâchez pas, avalez d'un seul coup. C'est tout ce qu'il y a à manger. Je vais jeter un œil. Merci. J'ai apporté un peu de purée. Je vous voyais pas. Vous pensez que je m'étais caché dans ma sacoche? Je pensais que je pourrais trouver quelque chose sur vous. Vous savez tout sur nous, tout ce qu'il y a de pire. Et nous, on sait rien du tout. On ne connaît même pas votre nom. Alors appelez-moi Ward. Et c'est tout? C'est tout. C'est tout ce que vous avez à savoir. Selena. Oui. Ça fait deux fois. Merci. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Des cliquets du désert. On dirait des coups de feu. Ah ben, c'est ce que je voulais dire. Deux kilomètres? Trois? Non, plutôt quatre ou cinq. Le vent porte par ici. Johanna, éteignez le feu. Selena, mettez les chevaux de l'autre côté du chariot. Et passez une corde autour d'eux. Nous allons monter la garde à tour de rôle cette nuit. On prend la première garde. Johanna, prenez la deuxième. Et puis Selena. Ah non, ça fait rien, je prends la troisième. Celle que nous suivons. C'est pas une route. C'est une piste. On a quitté la route environ une heure avant la nuit hier. Et alors comment je vais... Et comment nous allons aller à Wevermesa? On va passer à peu près à 18 ou 20 kilomètres d'elle. Ça, c'est une très grande nouvelle. Qu'est-ce qui vous intéresse tant à Wevermesa? Oh, c'est très joli. C'est même magnifique à cette époque de l'année. C'est beau tout là-haut. Moi, je n'ai jamais été tellement fasciné par cet endroit. Enfin, chacun trouve midi à sa porte. Je savais pas que vous étiez horloger.
Elle est en route. Dépêchons. Yeah. Things we hope will happen sometimes cannot be. Selena's late and Jack won't wait, but at least she's riding free. C'est peut-être de là que venaient les coups de feu hier soir. Oui, mais il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'un coup de main. Oui, c'est possible. Tu veux pas aller y jeter un coup d'œil? Si. Eh ben alors vas-y, qu'est-ce que t'attends? Écoute, c'est moi qui donne les ordres par ici. À moi de prendre la décision. C'est à moi, il n'y a personne d'autre. Ah bon? C'est très clair. Je vais jeter un coup d'œil là-haut. Une chose de sûre, c'est que vous n'avez besoin de l'aide de personne. Vous n'avez pas dit que vous veniez nous aider? Vous ne m'avez pas donné l'occasion. Hé, hey, attendez! Partez pas! Attendez! Vous n'en allez pas! Écoutez! On ne voulait pas, on croyait que vous étiez un de ces types. Partez pas! Vous croyez que vous étiez un des bandits? Vous nous aidez. Qui est cet homme? C'est notre père. Tu peux regarder si tu trouves une pelle. On allait s'endormir. Papa a dit qu'il avait entendu du bruit, il est sorti. On a entendu des coups de feu.
Les balles volaient dans tous les coins, alors j'ai attrapé Charlie par la main, j'ai pris le fusil et on s'est caché dans les buissons. Vous avez pu les apercevoir? Ben, plus tard, quand ils ont mis le feu à notre chariot. Ils étaient trois. Des blancs. Comment vous le savez? C'est quoi, ça? C'est une vache. Ah oui, je sais bien que c'est une vache, mais qu'est-ce qu'il veut en faire? L'emmener avec nous. Non, la vache reste ici. Mais c'est pas une vache ordinaire. C'est plutôt comme un petit chien. Non, c'est définitif. Elle fait partie de la famille. Elle reste ici. Alors je reste ici, moi aussi. Est-ce que quelqu'un veut bien lui expliquer? Les filles, Esther, Johanna, aidez-moi. Elle vient de te le dire. C'est son petit chien. Et je dis, moi, que c'est une vache. Ils ont l'air vraiment très attachés à elle. Pourquoi vous ne voulez pas qu'ils emmènent cette vache? Son nom, c'est Zachary Taylor. Je me contrefiche de savoir comment elle s'appelle. Faut l'appeler par son nom si on veut qu'elle vienne. Zachary Taylor. Maman est morte il y a environ un an. Ça a été difficile pour papa. Vous savez, il devait travailler et prendre soin de nous deux. Alors, il a décidé de partir pour Phoenix et trouver du travail en ville. Je ne sais pas ce qu'on va faire maintenant. Mais t'inquiète pas pour ça, on va bien trouver une solution. Il est vraiment drôle, ce chariot. C'est pas là-dedans qu'on transporte les lions et les tigres, si. Et toutes les bêtes sauvages. Charlie, il est superbe, ton couteau. Et bien pointu. Je peux le voir, s'il te plaît? Non. Quand tu te couperas, viens pas pleurer dans mes bras. Just to find a little gold. Sometimes their sole companion is a dusty lock-eyed mule. And here's a switch, they'll all get rich, though they never went to school. In this camp of miners lived hard-working men and true. The ragged shirt upon their back they'd gladly sell to you. They'd tip their hats to ladies if a lady was in sight. In the tender care of the miners there, Ward knew they'd be all right. The kind-hearted stranger was looking for relief, some food for the children and comfort for their grief. The ladies needed shelter and the cow could use some hay. And that is what's brought them to the miners' camp today. Ward, je suis content de te voir. Mais où as-tu trouvé ce chariot? Dans un cirque? Non, j'ai trouvé près de Soda Spring. Mais ce sont des femmes? Ah oui, où veux-tu que je les mette? Je sais bien qu'il ne faut pas amener de femmes ici. Je ne pouvais pas les laisser à Soda Spring, l'eau est empoisonnée. Monsieur Carson. Monsieur? Donnez à ces dames de quoi manger et de quoi boire. Et empêcher les hommes de les approcher. Tout le monde. Donc vous aussi. Entendu. C'est comme de dire à un harnard dans un poulailler de ne pas toucher aux poules. Amène-toi, tu as sûrement soif. Bon, allez, mesdames, vous venez avec moi. Venez, venez. Par ici, allons. Venez. Monsieur Carson. Oui. Toute cette eau, elle vient d'où? Elle vient de là-haut. Elle apparaît comme par enchantement du sol, douce et fraîche, et ensuite, au bout de 20 km dans la montagne,
elle disparaît à nouveau, dans le sable. C'est pour ça que les Indiens l'appellent la rivière perdue. Il n'y aurait pas un endroit qui soit un peu à l'écart où je pourrais prendre un bain? Bien sûr. Oui, oui, oui. Monsieur Dockery. Cette jeune fille voudrait bien prendre un bain, mais essayez de lui trouver un coin un peu à l'écart. Mais oui, avec plaisir, monsieur Carson. Et ça doit être vraiment à l'écart, très loin des autres hommes. Je crois que vous avez compris ce que je veux dire. Je connais un coin bien à l'écart sur cette rivière, monsieur Carson. Bien. N'est par ici, peut-être. On sait très bien, allez. Charlie! Dites, monsieur Carson. Oui. Vous ne connaissez pas un endroit un peu à l'écart où on pourrait prendre un bain par hasard? Ah ben si, je connais un endroit parfait. Indiquez-nous seulement la direction, nous le trouverons bien. Ah, bon, ben, il faut aller par là. Vous trouverez sûrement un coin qui vous conviendra. Allez. Merci, merci bien. Vous ne voulez vraiment pas que je non, vous... Non, ça ira, merci, restez là. Il paraît que tu envisages de quitter le métier. Jonas, comment tu peux être au courant de ça alors que tu es coincé ici? C'est vraiment le bout du monde. Tu as vu des Indiens dans le secteur? Ah oui, très souvent. Des petits groupes généralement. Ils se dirigent vers le sud. La majorité des militaires vient d'être appelés dans l'Est pour cette saleté de guerre civile. Est-ce qu'ils restent ici et maigrichons? Les Indiens le savent et ils mijotent quelque chose. Ils vont peut-être essayer de remettre la main sur leur pays. Il va falloir me défoncer. En fait, si j'étais toi, je crois que j'éviterais de le dire trop fort. Est-ce que cet endroit vous convient? Bien, merci. Si vous avez besoin de quelque chose, vous appelez. T'as compris, Charlie? Toi, tu restes ici. Ouvre l'œil, s'il te plaît. Oui. Tu ferais bien de te laver les cheveux, on te repère à l'odeur. On m'apprend pas à prendre un bain. Hein. Je sais très bien ce que je dois faire. C'est plus compliqué qu'on ne croit. Ah oui? Allez, courage! Ce ne sont pas les Indiens qui me préoccupent. Ce sont tous ces gens dans le désert. Partout où on regarde, il y a des fermiers. Donc ça me dépasse. Ils sentent le vent tourner. Et tous les rats finissent par sortir de leur trou. Il en faut beaucoup pourtant pour faire sortir les rats. Il y a plus $1 million d'or qui va voyager dans le désert ce mois-ci. Eh oui, je comprends. Personne ne sait où, ni comment, ni exactement quand, mais il faut que ça se passe ce mois-ci, parce que le gouvernement en a besoin. Bon, ben, si le bruit a couru, tout le monde de Blackjack Vetcham à Texasville McCulloch va essayer de tomber dessus. Je me demande pourquoi on m'en a pas parlé. Et peut-être parce qu'on ne t'a fait pas trop confiance. Un coup de chance qu'on soit tombé sur des braves mineurs. Jean Morin, je voulais seulement savoir si vous aviez besoin de quelque chose. Il est fou. Monsieur Carson! Oh, allez-vous-en tout de suite et vous... Vous reposez mon frère tout de suite. Calme-toi, petit. Alors, alors. Si tu continues à faire ce numéro, je lui défonce le crâne à ceux qui m'en veulent. Tu entends? Très bien. Regardez-moi ça. Ces trois grands costauds. Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'une petite fille comme ça, alors que vous avez une vraie femme à vos côtés? Vous savez, il ne faut pas vous fier aux apparences, non, non. Monsieur Carson, comment on vous appelle? Quel est votre prénom? Comment je m'appelle? Je m'appelle Joe. Je m'appelle Joe Carson. Bon, Joe... Vous devriez renvoyer ces jeunes enfants. Et puis peut-être que tous les quatre, on pourrait s'amuser. S'amuser? Il y a bien longtemps que je n'ai pas connu de vrais hommes.
Et avec tous les quatre? Et la raison, allez, dégagez les enfants, allez, et couvrez cette jeune fille, donc, ou pétons, les gars, c'est pas un endroit pour elles. Allez les enfants, allez. Et comment... Comment tu t'appelles, toi? Je m'appelle Esther. Et je peux peut-être trouver un moyen que tu ne l'oublies pas. Lâchez-moi. Trois hommes et Félicine. Ils sont avec Esther. Où sont-ils? Va leur montrer, Charlie. Bien dit qu'on allait lâcher. Viens tous les quatre. Allez, on commence tout de suite. Lâchez-moi. N'allais-tu pas voir? N'allais-tu pas? J'en ai besoin, laisse-les-moi. Ils vont le regretter, c'est moi qui te le dis. Tu as ma parole. Retournez sous ma tente et attendez. Tu prends toutes les provisions et l'eau que tu voudras, tu mets ces bonnes femmes dans ce chariot et vous changez d'air tout de suite. Rien de cassé, ça va? Oh, je t'en prie, pleure pas. Je t'en prie, Esther, arrête. Arrête. Je pourrais pas tenir le coup. Alors, Selena, tu l'as trouvée, cette arme? J'ai trouvé un monsieur qui avait une arme à échanger, mais j'ai pas pu lui offrir ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il pouvait bien vouloir que tu ne pouvais pas lui offrir? Johanna. Tout le monde monte dans le chariot. Esther, tu grimpes devant. Et ce chien, d'où il vient? Un mineur en a fait cadeau à Amy. Le chien reste ici. Il a dit que ça pourrait lui remonter le moral. Ce chien descend. Mais pourquoi? Si tu le fais pas descendre... Il s'appelle Kelly. Et alors, ça me fait une belle jambe. Miners was as timely as could be. They said goodbye and thanked them for their hospitality. The kind-hearted stranger felt like Noah in the ark, but he feared Kelly's bite was much worse than his bark. Amy m'a raconté ce que tu as fait tout à l'heure. Ça demandait du courage. Les femmes ont toujours du courage, les hommes pas toujours. Et les femmes se défendent avec les armes qu'elles possèdent. On dirait que tu t'es pas mal défendue. Si tu as l'intention de continuer à rabâcher que je suis une femme formidable, tu as plus de 6 mois de retard. Tu l'as bien volé, cet argent, à la banque. Juste après m'être fait voler par ce banquier. Mais il l'a fait légalement. Ah oui, alors quand la banque vole du pognon, c'est une bonne affaire. Et quand je le récupère, c'est une escroquerie. Est-ce que c'est juste, sincèrement? La confiture ne se répand pas toujours régulièrement sur la tartine. D'accord, à question idiote. Tu ne dois pas excuser tes fautes en dénonçant celles des autres. Quand mon père est mort, il m'a laissé 7 000 $ à la banque. Oui, 7 000 $. Et un testament disant que l'argent était bien à moi. La banque n'a pas trouvé le testament. Alors après pas mal de frais de notaire et de frais bancaires et de frais d'avocat et d'autres choses encore, eh bien quand c'est revenu chez moi, il ne me restait plus rien du tout. Wow, j'étais une femme seule, sans rien du tout. Alors, la banque a eu pitié de moi et m'a offert un travail à 50 $ par mois. J'ai volé 7 000 $ exactement parce qu'ils étaient à moi. Et toi, tu me parles de confiture sur des tartines de pain. Et si tu me parlais plutôt du bien et du mal, et de la justice? Très bien. Tu
Tu as volé cet argent et c'est mal. Je t'ai arrêté et c'est bien. On t'a mis en prison et c'est juste. Da! Da! Tu sais où il nous emmène? À Tucson. On est sur la route de Tucson. Voir arriver là-bas, on va nous arrêter et nous mettre en prison. Johanna, tu étais vraiment en prison? Eh oui, vraiment. Puis si tu es un homme, on a appelé ça tentative de meurtre. C'était pas la vérité? Si, si. J'ai essayé de tuer, mais je suis très mal. Pourquoi? Bon, je ne crois pas que tu comprendrais. Moi aussi, je comprendrais. Avant de mourir, maman m'a parlé des hommes. Et de tout ce qui va avec. J'ai longtemps attendu avant de voir arriver l'homme avec qui je m'entendrais. Et quand enfin je l'ai trouvé, je lui ai vraiment tout donné. J'ai fait tout ce qu'il m'a demandé de faire. Oui, j'ai vraiment fait n'importe quoi pour lui. Oh. Il t'a quitté alors tu lui as tiré dessus? Bon, c'était pas ça la raison. Tu sais, Amy, il y a trois sortes d'hommes dans notre monde. Ceux qui embrassent et qui racontent. Ceux qui embrassent et qui racontent rien. Et ceux qui n'embrassent jamais et qui racontent quand même. Ben lui, il est à peu près normal. Il embrasse, il raconte. Il a raconté tout et à tout le monde. Il a tout raconté. Il a plaisanté. Il a fait rire les autres. Alors j'ai essayé de le tuer. Qu'on a quitté la mine. Ouais, au moins une cinquantaine. Pourquoi ils se dirigent tous vers le sud? Il doit y avoir une raison, mais je ne la connais pas. On devrait arriver au Rocher Blanc dans quelques minutes. On va y camper pour la nuit. Vous allez m'attendre. Je reviens tout de suite. J'attends, je voudrais boire un peu d'eau. Les rochers blancs sont de l'autre côté de cette colline. Ah oui, mais j'attends le départ de ces types. Je les observe depuis une heure. Au début, j'ai cru qu'ils jouaient à cache-cache, mais tout le monde se cache et personne ne s'y colle. Vous voyez, il y en a un près du rocher. Un autre là-bas et un autre dans ce coin-là. En fait, j'en ai compté 8. Ouais, j'en compte 12 et c'est une embuscade. Et pourquoi on me tendrait une embuscade? C'est pas normal. C'est pas vous qui veulent, c'est moi. Ah bon, ben je préfère ça. Ouais, à votre place, je ferai attention, ils pourraient vous tirer dessus pour s'entraîner. Mais où est-ce que je vais pouvoir boire un peu d'eau? Si je vous comprends bien, il vous en reste plus du tout. Non, plus du tout. J'en ai plus une seule goutte. Ah, c'est incroyable. Des femmes, des enfants, des chiens, des vaches. Allez, grimpez sur votre cheval et suivez-moi. Thank you.
Yes. Juste une gorgée. Et de quel droit il peut boire notre eau? C'est le code de l'Ouest, Selena. Il faut savoir partager avec ceux qui n'ont rien. Bon, il faut y aller maintenant. On a assez perdu de temps. Les Rochers Blancs, c'est par là. Oui, il y a 12 hommes en embuscade là-bas. Oh, c'est Jack. Il est venu pour moi. Selena. Ça peut être Jack ou quelqu'un d'autre. Ça peut être n'importe qui, en fait. Ça peut être ces hommes qui ont tué le père de Charlie et qui ont brûlé le chariot. Ça peut aussi être des Comancheros, ou pire encore. Ils ne me font pas peur. Selena. T'as de la veine, moi j'ai une trouille bleue. On change de secteur. Making friends along the trail, at finding new companions, it seems he could not fail. Vous croyez que ces hommes vont nous suivre? Ce ne sont pas eux, ce sera quelqu'un d'autre. Allez donc vous placer à l'arrière du chariot et surveiller les alentours. Young man riding with him, he sure seems nice enough. But with these bad guys, thick as flies, let's hope he's also tough. Vigilant and watchful and ever on his guard, Ward made a hasty exit by riding very hard. So far luck was with him, the danger seemed to pass. Not knowing when it would come again was a real pain in the desert. Ward. C'est ça? Ce sont bien eux? Vous les suivez? Très bien, Jacques et les autres. À plus tard. Quiet, the desert was still, but something was brewing just over the hill. Hoofbeats were thundering, who could it be? The brave men in blue, the U.S. Cavalry. Lieutenant David Spangler de la cavalerie des États-Unis, détachement de Fort Lawson. Bonjour, lieutenant. Je m'appelle Ward. Vous ne savez pas qu'il est dangereux d'amener des femmes et des enfants dans le désert? C'est pas moi qui les ai amenés. Je les ai trouvés ici et j'aimerais bien m'en débarrasser. Ce chariot, monsieur Ward, est-ce qu'il n'est pas utilisé pour transporter des criminels dangereux? Je le crois, en effet. Et où l'avez-vous eu? Je l'ai trouvé. Je veux bien vous donner ce chariot si vous voulez bien me débarrasser de mon convoi. Vous semblez trouver beaucoup de choses, monsieur Ward. Je me demande si j'ai vraiment de la chance. J'espère que vous en aurez. Nous sommes à la recherche d'Indiens depuis 2 jours. On n'a pas réussi à en voir un seul. Quel pépère, Anderson, Butler, n'approchez pas de ces femmes. On faisait que regarder, lieutenant. Anderson, ce n'est pas un zoo et ces femmes ne sont pas des bêtes curieuses. Reculez de 5 pas et arrêtez de regarder. À vos ordres. Ce sont des soldats d'occasion. Il faut vous méfier. Ce sont des confédérés, monsieur Ward. Des rebelles qui ont fini par accepter notre uniforme. Il y a des prisonniers de guerre qui ont choisi de combattre pour le Nord plutôt que de moisir en prison. Vous voulez bien me débarrasser de ces femmes, lieutenant? Je ne peux pas, monsieur Ward. Et pourquoi ça? Parce que cette patrouille doit être prête pour le combat à tout instant, c'est important. Parce que notre ennemi peut surgir de partout et à tout moment. Parce que... Oh. Parce qu'on est perdu. On n'est pas perdu, sergent. Juste un peu perdu. Sergent, c'est moi qui commande ici et je déciderai si on est perdu ou non. Vous nous conduirez au fort le moment venu. Mais je ne saurais pas le retrouver, le fort, lieutenant. Moi, je suis de Baltimore. Alors, ramenez-nous à Baltimore. Il faut se fier au destin, sergent. Avoir confiance en notre mission.
Il faut nous rappeler notre rôle de membre de la cavalerie des États-Unis. Yeah! C'est pas trop où on va. Allez vers l'est, vers la route des chariots. Ensuite, allez au nord. Vous pouvez pas la rater. C'est dans quelle direction, l'est? Le soleil se couche à l'ouest. Gardez toujours le soleil dans le dos. Monsieur Ward. Où étiez-vous passé? Parti surveiller l'arrière, comme vous l'aviez dit. Ward, faut que je vous dise quelque chose sur moi. Je ne suis pas ce que j'ai l'air d'être. Je suis pas un vrai cow-boy. Je suis un... déserteur. Comment vous le savez? Moi, j'ai dit ça par hasard. Mais je n'ai pas déserté parce que j'avais peur. Non, mais j'en veux à personne. Ni aux nordistes, ni aux indiens, ni à personne. Si vous conduisez le chariot pendant un moment, que les femmes se reposent. On continue. Oh, Seward, c'est un type qui peut nous emmener au bout du monde. Je ne lui ferai pas confiance à votre place. Mais Terry, j'ai confiance en vous. Une femme sent ces choses-là, c'est inné. Mais parfois, elle peut se tromper. Et elle peut faire confiance à quelqu'un d'ignoble. Et qui peut abuser de la situation. Vous savez que je ne ferai jamais une chose pareille. Oh, je sais, Terry. Et je ne parle pas de vous. Vous parlez? J'ai l'impression que je vais lui dire deux mots. Occupez-vous des chevaux. Eh, il faut que je vous parle. On prépare le camp pendant qu'il fait encore jour. J'ai dit qu'il fallait que je vous parle. Je dis qu'on parlera plus tard. Non, on parle tout de suite. Très bien, j'écoute. Je sais très bien à quoi vous jouez. On m'a dit, enfin les femmes m'ont dit qui vous étiez en réalité. Et je veux vous dire, pour que ce soit clair, qu'il ne faudra plus de ça maintenant. Bien. Vous vous sentez mieux? Beaucoup mieux. Bon, alors vous avez 10 minutes pour ramasser du petit bois ou je sens que je vais m'énerver. Agréable, cette conversation. Qu'est-ce qu'on mange? Des haricots, sans sable. Qu'amélioration. Quoi? Il y a quelque chose qu'on doit mettre au point. Avant tout, moi aussi, je dois mettre au point une chose. Vous n'avez rien à me dire, c'est tout simple. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Mais croyez-moi, je comprends ce qu'il faut. Vous allez m'écouter. J'ai pas à me fatiguer. De toute manière, vous me direz tout. J'ai longuement réfléchi et j'ai pris ma décision. Je ne veux pas aller à Tucson. C'est tout? C'est tout. Il valait mieux que ce soit clair. Il y a autre chose? Non, Ward. C'est tout. Tout va bien, madame? Tout va très bien, monsieur Randall. Bien, écoutez, je voulais vous dire, si cet homme vous ennuie, vous me le dites et je vous protège. Mais cet homme nous a sauvé la vie. Et pour être parfaitement franche, monsieur Randall, je n'aurais pas confiance en vous pour me défendre contre qui que ce soit. Vous avez bien trahi la confiance de l'armée quand vous avez déserté. Et qu'est-ce qui vous fait croire que je suis déserteur? Vous avez un cheval de l'armée et une selle de l'armée aussi. Vous portez une arme de l'armée et vous avez une ceinture de l'armée. Un coup de chance, alors. Oh,
pas vrai, ça. Mais pourquoi tu me laisses pas faire? Dis donc, est-ce que tu as essayé les cigarettes toutes faites? Ouais. J'en ai tellement fumé que je me suis dit que si j'avais à les rouler, j'en fumerais un peu moins. Et ça a marché? Ouais. J'ai pas fumé depuis 3 semaines. Oh, mais c'est très malin. Tiens, voilà. Merci. Joli hachis. Mettre une femme comme toi derrière les barreaux. Monsieur Ward, il y a quelqu'un par là. Charlie, restez à l'arrière du chariot. C'est moche. J'ai vraiment la guigne. Ça peut faire mal. Oh, allez-y, de toute façon, ça fait mal. Fait plus mal en brasant. Ça va s'arranger. Tenez, prenez les cheveux. Tenez. Qui c'était? Blackjack Betcham et sa bande. Ils venaient me chercher. C'est moi qu'ils veulent. Si c'était vous, ils vous auraient apporté des fleurs. La laisser tomber. Je la prends. Je vais la donner à Ward. Désolée, mais je la veux moi. Pardon, enfin, tu vas pas les arrêter. Laisse-les plutôt se défouler, sinon elles recommenceront bientôt. Je les arrêterai avant qu'ils me blessent. Ça va, ça suffit. J'ai dit ça suffit. Debout. Complètement ridicule. Une femme n'a pas besoin de chiquer pour être costaud, Selena. La gagnante prend le premier tour de garde. Oui.
l'occasion de te remercier de m'avoir sauvé la vie. Non. Pas convenablement. Pas maintenant, Kelly. On va arriver à Spring à peu près vers midi. La Tucson, à peu près à la tombée de la nuit. Et ce bras, ça va? C'est tout ce que ça donne, une balle dans le bras? C'est tout. Je me demande pourquoi j'en ai eu peur toute ma vie. J'avais si peur que j'en avais des crampes d'estomac. Je craignais d'être blessé, de souffrir. C'est pour ça que j'ai déserté. J'ai été blessé, ça fait mal, mais c'est pas aussi douloureux que je croyais. Intégrer l'armée. Je suis parti depuis trop longtemps, j'aurai des problèmes. Dites que vous êtes perdu dans le désert. Ça, ils peuvent le comprendre. Ward, est-ce que je peux te poser une question? Je crois que tu me connais suffisamment. Qu'est-ce que tu mijotes? Qu'est-ce qui t'a fait venir ici? Tu pourrais t'expliquer? Qu'est-ce que je suis, Esther? Qu'est-ce que je fais? Je mets des pauvres types en prison. C'est drôle, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais pas bien clair. Je valais pas mieux que certains d'entre eux. Non, tu n'as jamais vraiment escroqué cette pomme de l'art. Non. Non, j'en ai jamais eu l'occasion, alors je sais pas. Mais si, tu le sais, oui. Quand j'ai pris ce boulot, c'était provisoire, en fait. J'ai rempli un formulaire qui traînait. Aujourd'hui, on me demande de devenir Marshal de Phoenix. C'était trop permanent. C'est parce que t'es à la hauteur. À l'échange, j'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie. D'un côté ou de l'autre. Est-ce que tu préfères l'autre côté? C'est bien possible. Tu sais, moi, j'ai jamais rien eu. Moi, j'avais bien d'autres choses. Le ciel bleu, les espaces, la liberté. De bons amis. Jimmy Newsberry. Diego Sanchez. Ah, c'était un sacré personnage. Et où sont-ils aujourd'hui? Je sais pas, à droite ou à gauche. Mort ou en prison? Possible. Là, on a été heureux. C'était le bon temps, quoi. Merci pour la cigarette. Doivent se fatiguer, les nôtres se sont reposés. Selena, il va falloir faire galoper cet attelage. Un jeu d'enfant. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Oh, allez hop! Yeah!
dégagerai du chariot. Je m'en occupe de la vache, mets-toi à l'abri. Esther, attendez! Je vais devant, attendez-moi. Prends la vache et conduis-la derrière la colline avec les chevaux. Allez, allez! Il y a un autre moyen de sortir de ce canyon? Il faut l'espérer. Posez donc ce fusil, Marshall. Et donnez-moi votre revolver. Cela confirme bien ce que je pensais de vous, Selena. On ne peut pas vous confier une arme. Ne donnez pas de leçons de morale. Pourquoi nous avez-vous jamais dit que vous étiez Marshall? Je ne suis pas exactement Marshall. Ah oui? C'est quoi ça? Ah, si vous vous présentez comme ça, peut-être que c'est vrai. Dire que je vous ai bêtement dit que j'étais un déserteur. J'ai fait des aveux à un Marshall. Ces hommes là-bas, ce sont mes amis. Jack Vetcham est venu me chercher. Si quelqu'un veut venir avec moi, il n'y a aucun problème. Je peux vous faire accepter. J'y vais. Non, pas question. Je vais réfléchir alors. Il n'en est pas question non plus. Vous la laissez vous donner des ordres? Si c'était pas elle, ce serait sûrement quelqu'un d'autre, alors faut être lucide. Jack! C'est Selena! Je viens te rejoindre! Jack! Tu m'entends? Je t'entends, chérie! Laisse-la partir. Laisse-les tous partir. C'est drôle, mais parfois j'ai l'impression qu'on parle pas la même langue. Selena, tu viens nous dire bonjour? T'as peut-être oublié quelque chose? Qu'est-ce qu'il a dit? Selena. Il ne veut pas de moi. Il n'est pas venu pour moi. Bien moi qu'il veut, n'est-ce pas? Non. C'est pas vous qu'il veut non plus. En fait, il veut le chariot. Et rien d'autre. Peut-être qu'il en a assez de voyager à cheval. Je dois dire que je le comprends. Il faut bien que quelqu'un lui dise qu'il n'est pas à vendre. On n'a pas à lui parler. Qu'il le prenne et qu'il file. Charlie, tu me prêtes ton couteau? Merci, Charlie. Suffisamment de nickel pour que ce soit solide. De l'or? C'est de l'or, oui. Tous les barreaux sont en or. Ce chariot doit valoir plus $1 million. Il appartient au gouvernement des États-Unis. Qu'est-ce qu'on fait?
Il est décidé à tirer dans le tas pour le récupérer. Hein, on ne peut pas décider pour vous. Chacun doit prendre sa propre décision. On ne peut pas donner cette heure à Monsieur Vetcham. Il n'est pas à nous, vous le savez. Selena ! Selena ! Oui ? Tu me la portes, ce chariot ? N'y compte pas, non. Il va falloir que tu viennes ici pour le chercher. Je suis affreusement déçu par ton attitude, chérie. Je sais. Et moi aussi, j'ai été très déçu par toi. Amy, va te cacher derrière les rochers avec Charlie. Prends les mots de ton père, Esther. Baisse-toi, Esther. Comme ça. Allons, comme ça. Par le versant est. Très bien. Tu emmènes Curley et Tatou. Tu vas grimper là-haut. Maintenant ? Tatou ! Venez ! On va les contourner. Je suis arrivé en bas. Encore 20 ou 30 minutes de ce régime, on n'aura plus de munitions. Johanna, allez voir dans mes sacoches. Il y a des munitions dans celle de droite. Attention, Johanna! Vous alliez par là, que vos copains puissent vous voir. Dites-leur de poser leurs armes devant eux. Dites-leur de lever leurs mains, ou je me fâche et je vous descends l'un après l'autre. Vous avez compris ? Allez ?
Tu viens, Charlie? Chercher les filles. Caught by the cavalry, Jack's in disgrace. Caught the right man in the wrong time and place. Alors, Monsieur Ward. Qu'est-ce que vous faites loin de tout? Loin de tout, lieutenant? Oui, loin du fort. Mais lieutenant, le fort est à 10 km par là. Mais qu'est-ce que je fais par là, moi? Et vous, soldat Randall, qu'est-ce que vous faites par là? Je me suis perdu. Oui. Bien sûr, je peux le comprendre, évidemment, et c'est très facilement qu'on peut se perdre dans ce pays. Vous n'avez pas à rougir, soldat. Merci. Non. Oui, sergent. À vous ont mis poison dans l'eau. Merci à toi, grand chef. Au revoir, Ward. Au revoir, grand chef. T'en as mis à vous? Ouais. Le grand chef et moi, on a essayé de s'entretuer en plusieurs occasions. Sergent! Monsieur. Occupez-vous de ces deux hommes. Lieutenant, il y a quelque chose que vous devez savoir sur ce chariot avant de le récupérer. Les barreaux sont en or. Et cet or appartient au gouvernement. Il en a un besoin urgent. Pour une raison ou une autre, il s'est perdu. Je vous le confirme. Et pour ces femmes, Monsieur Ward? Les femmes ont été tuées. Toutes? Tuées, oui. Johanna Drake, décédée. Selena Watson, décédée. Esther Winters, décédée. C'est bien triste. Oui, c'est vrai. Elles sont mortes en héros. J'aimerais bien que vous le mentionniez dans votre rapport. Vous pouvez compter sur moi. On arrive au point où il faut des papiers pour tous nos jours. Oui. Enfin, vous voulez qu'on vous aide à les enterrer? Hein? Je veux bien le soldat Randall. Il s'est révélé bien précieux pour moi. Soldat Randall, monsieur, vous allez rester avec M. Ward et l'aider à enterrer ses femmes. Bien. Je vous attends fort. Lieutenant. Anderson. Monsieur. Mettez ces hommes dans le chariot et attelez les chevaux et en route. Quelque chose? Ouais.
être raisonnable, on est peu de choses. Qu'en pensez-vous? C'est pas beau de blasphémer. Attends, laisse-moi faire. La diligence pour Phoenix va passer sur cette route dans quelques minutes. J'ai quelque chose à vous dire avant qu'elle ne soit là. En ce qui concerne la loi, vous êtes toute morte. Vous avez la chance de prendre un nouveau départ. Vous croyez que le marshal de Phoenix va vraiment gober cette histoire? Oh, vous pouvez me faire confiance pour ça. Parce que dès demain, je serai le marshal de Phoenix. Oh. Non, mais je vais vous surveiller. Vous inquiétez pas pour Johanna. Parce que dorénavant, je vais m'occuper d'elle. Toutes mes félicitations. Prends nos affaires. J'aimerais pouvoir vous offrir quelque chose. De l'argent. Ou je sais pas quoi. Ça y est, voilà la diligence. Ne vous inquiétez pas pour nous. On a déjà eu un beau cadeau. Selena, une minute. Charlie, tu me prêtes ton couteau? Comment vous appelez ça? Une béquille, Walt. Un objet sur lequel vous pouvez vous appuyer jusqu'à ce que vous puissiez voler de vos propres ailes. Je comprends, oui. Assieds-toi. Assis. Fais le beau. Parle. Amène-toi, Kelly. T'es un bon chien. Aujourd'hui, tu m'appartiens. T'as pas intérêt à l'oublier. C'est valable pour vous aussi. Merci, Charlie. Oh, ça fait rien. J'en ai plus besoin maintenant. Bon, eh bien, j'ai tout ce qu'il me faut. Ah, le ciel bleu et les grands espaces, la liberté et de très bons amis. Et une vache et un chien. Maintenant, nous sommes au complet.